Je m'appelle Jeanlin, je suis né en 1948, j'habite en Moselle. Je voulais vous raconter un peu l'histoire de ma famille immigrée polonaise qui est venue en France à l'appel du gouvernement français, surtout des entreprises, qui voulaient des familles étrangères pour aller dans les mines, dans la sidérurgie. C'est comme ça que mes deux familles sont venues. Ma famille donc, maternelle est venue en 1931 dans les mines de fer de Bouligny. Mon grand-père, lui, est décédé très rapidement. Il est resté 3 ans en France seulement. Et ma grand-mère, donc, elle travaillait dans les champs du côté de Snombre, en Meuse. Là. Ma grand-mère s'est remariée avec un ami à mon grand-père. Et ils ont eu 6 enfants. Ils avaient un droit à un logement, mais sans rien dedans. Et ils devaient se débrouiller carrément tout seuls, sans rien. Heureusement qu'il y avait d'autres Polonais, et même des Italiens qui étaient là aussi, qui les ont aidés, parce qu'ils ne parlaient pas un mot français. Donc je sais qu'au début, ma grand-mère me racontait qu'ils avaient même des cageots pour faire des étagères, comme ça. Puis après, tout doucement, bon, ben, ils ont réussi comment dire, à meubler la maison, quoi. Côté de mon grand-père, enfin de ma famille paternelle, eux, ils sont venus de Pologne aussi, après la même année. Quand ils sont venus, ce sont les entreprises qui ont demandé à ce que des étrangers viennent travailler dans les mines et dans la sidérurgie, parce qu'il manquait de main-d'œuvre. Donc, comme c'était en grande exploitation, etc. Donc, ils sont venus. Et c'est là que mon grand-père paternel est venu, et avec sa famille, bien sûr, avec ses 2 enfants. Il en avait 3, mais le premier, l'aîné, n'a pas voulu venir. Alors qu'il est venu avec 2, une fille et un garçon. Et donc, celui qui est resté en Pologne, c'était mon père. Alors, il voulait rester chez sa grand-mère en Pologne. Élever les vaches et les chèvres, il a adoré ça. Et donc, quelques années plus tard, il est venu le rechercher. En 1937, il est venu le chercher à tout prix pour venir en France. Donc, il est venu, il avait 14 ans. Donc, il n'a pas été à l'école française. Il ne parlait pas un mot français. Et il a appris à parler français rien qu'en lisant les journaux. Puis bien sûr avec les copains, mais surtout les journaux. Il m'a dit, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, écrire, je n'arrive pas. Mon père habitait à Omécourt, mais c'est là qu'il a rencontré donc ma mère, qui habitait à Bouligny. Comment ils se sont rencontrés, ça, j'ai jamais su. Et donc, en 1947, le 1er février 1947, ils se sont mariés à Bouligny. Et après ça, je sais qu'en fin d'année, disons qu'il y a une famille proche de mes grands-parents qui ont voulu à tout prix, qui ont forcé mes grands-parents à retourner en Pologne. Alors, entre-temps, bien sûr, mes grands-parents avaient aussi des enfants français, enfin, qui sont nés en France, et qui sont partis à l'âge de 13 et 8 ans, qui parlaient français, qui étaient à l'école française. Pour eux, ça a été un drame d'aller en Pologne qu'ils ne connaissaient pas. Alors, ils sont repartis, et ce qui a toujours fait rire mon père, c'est qu'il dit, moi, je ne voulais pas venir en France, et c'est moi qui suis resté. Et de là, il a travaillé à la mine de fer au fond, mine de fond. Et après ça, bah, l'année 48, il y en a un qui est venu, c'est moi. Je suis né. Voilà. Dans les cités minières, ce qui se passait, c'est que, bon, ils ont construit au fur et à mesure, par exemple, je prends l'exemple de Bouligny, puisque c'était là que j'habitais, ils ont construit les maisons en fonction du nombre d'étrangers qui arrivaient. Alors, il y a eu une rue. Il y a eu beaucoup de Polonais, une autre rue des Italiens et une autre rue d'autres pays, quoi, mais très peu. Hein. Par rapport à la mine qui était le centre, les cités qu'on appelait après les cités Saint-Pierre, il y a eu la rue Germeau, c'était la rue qu'ils appelaient la rue des oies. Ensuite, la rue Grenier qui était la rue des chiens, parce que beaucoup de Polonais et Italiens avaient des chiens. Et puis, bien sûr, la rue principale, la rue Saint-Pierre. Donc, ils avaient ce logement qui était attribué en fonction aussi du travail qu'ils faisaient. Par exemple, tout ce qui était les contremaîtres, les porions, parce que à la mine ça s'appelait les porions, c'était plus des Français. Et tout ce qui était italien et polonais était les manœuvres. C'était une mine très difficile parce que c'était travail à la main à l'époque. Ils chargeaient les wagonnets à la main. Il y a eu beaucoup de morts dans les mines. D'ailleurs, la mine de Bouligny, elle était appelée à un moment donné la mine rouge.
Mon père, lui, travaillait ce qui s'appelait au fond, mais carrément au bloc. C'est-à-dire qu'il était, il faisait le, comment on appelle ça, le sondeur. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient fait exploser la mine, enfin tomber les blocs de minerai, il fallait sonder pour aller chercher le minerai. Donc mon père était sondeur et avec une perche, il tâtait et il disait attention, là, ça risque encore de tomber, donc d'écraser du personnel qui pouvait être là. Après ça, donc, avec son chef, il a réussi à avoir un poste avec des jumbos. Les jumbos, c'était les foreurs, c'est-à-dire c'est ceux qui perçaient avec les machines les trous dans les mines pour mettre les charges, pour faire exploser la galerie. Voilà. Donc il a terminé comme ça. Mais il a eu, quand j'étais petit, il a eu de la chance parce qu'il a eu un bloc sur le dos. Il a été transporté à l'hôpital, mais ça va, ça a été sans gravité. Il aurait pu être tué là, à ce moment-là, quoi, quand j'étais petit. À la Bouligny, je sais que ils ont raconté qu'il y avait un beaucoup qui partait après dans les champs, quittait la mine carrément. Alors, le patron, pas bête, hein, j'ai appris ça il n'y a pas tellement longtemps, pas bête, pour que les ouvriers ne partent plus, on leur a attribué le logement, d'accord, mais un jardin. Donc, chacun avait son jardin, si bien qu'on cultivait. Puis après, bien sûr, quand on allait acheter où? À la coop. La coop, c'était qui? C'était le patron. C'était un engrenage. Et si bien que comme ça, les patrons ont réussi à garder leur personnel pour plus qu'ils ne déménagent.